Bonjour à tous, bienvenue dans ma carrière manager avec le Borussia Dortmund. Nous allons entamer la 23e journée. Et quelle 23e journée puisque nous recevons le Borussia Mönchengladbach. Donc, nous allons continuer la saison. Voilà, on simule les entraînements. Je vais aller voir le rapport final d'Ignace van de Brent. On s'en fout. Comme vous voyez, j'ai quelques joueurs qui sont partis. Zagadou qui est vendu, Moukoko également, Adli qui est prêté. Un pré-court à court terme et Bakuu, il est prêté 2 ans au Villarreal. Allez, on continue. Je vais assister à la conférence de presse d'avant-match. On verra bien ce qui se passe. Faire de notre mieux. Voilà, j'ai répondu aux 3 questions et il me semble que c'était la meilleure réponse que j'ai donnée. Voilà, nous allons aller dans ce match. Ah ouais, il y a encore de la neige, ah ouais, ben Dieu. Tant pis, on fera avec. Hein. Voilà. Ah là là. Ça change, hein. La neige, puis un jour c'est du soleil, le lendemain c'est de la pluie. Eh oui. Le meilleur buteur de la Bundesliga, Erling Haaland. Nous espérons le conserver le plus longtemps possible. Je voulais dire un petit peu quelque chose avant que le match commence. C'est que, comme vous savez, il y a bien d'ici un bon mois, presque 2, je vais dire entre guillemets, il y a le FIFA 23 qui sortira. Mais je vous dis déjà d'avance que je finirai mon FIFA 22, que ce soit aussi bien Dortmund que Wascal et que ma team personnelle, je les finirai
jusqu'à la fin de la saison. Et puis, j'envisagerai de commencer le FIFA 23 après l'avoir eu en main quelques jours. Puis de toute façon, vous savez déjà qu'il y a deux projets qui sont certains. Donc le projet, le tout premier projet, c'est le projet avec le Real de Madrid, vu que j'ai eu mon petit problème ici sur le FIFA 22 en sauvegardant sur cette saison. Donc j'ai envie de commencer avec le club de mon cœur. Et puis il y a un projet qui me tient à cœur. Vous avez bien vu la vidéo sur ma chaîne. C'est la naissance d'un club qui vient en Ligue 2 et qui joue et qui est l'Atlético de Marseille pour avoir une concurrence dans la cité phonésienne d'ici quelques années, puisque ce club a été pris par des émissaires américains. Allez les gars. Et voilà déjà le but. Une belle contre-attaque. Et ADMI est juste dans le petit rectangle en faisant un magnifique appel de balle. Et c'est le but. Donc comme je finis mon histoire, donc c'est pour avoir une concurrence, mais le club existe réellement et maintenant il s'appelle l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Marseille, excusez-moi, et je voudrais faire une carrière création avec ce club qui n'existe pas bien sûr sur FIFA. Non. Donc, je vais essayer de faire le mieux. Et puis, il y aura une troisième carrière, une carrière au niveau d'un rachat d'un club existant sur FIFA également. Et nous commencerons Oui, c'est le but. Un très beau but. Donc, vous verrez bien le club que j'ai pris. De toute façon, j'ai mis certaines vidéos des futurs projets. Et vous verrez qui je prendrai comme troisième club. Mais ça sera un challenge très intéressant. Très beau buteur. Ben oui, une perte de balle comme ça, ça ne pardonne pas, surtout en Bundesliga. Oh là 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 là, je ne sais pas ce que je fais, mais je ne suis vraiment pas dans le match. Ah, ils sont en train de presser, hein. Mais non, pas là.
fou. Ah non, hein. Je sais pas ce que je fais, mais... Bien joué, Cobble. Tu sais, ça attaque. Hein. Eh oui. Eh oui, les gars. Allez, y a pas de souci, hein, on s'est égalisé aussi. Hein. Allez. 2-1. Dépité, hein. Tchou. Ouais, nous on revient. Ne t'en vas pas comme ça. Bien essayé, Alan. Allez, qui dit... Oh, c'est pas possible, ça. Ah, il mérite la jaune, hein.
Et voilà l'égalisation. Bien joué à Lant. Et oui. Alan, dès qu'il a le ballon, s'il rentre dans le petit rectangle, c'est dans le rectangle, c'est pas pour rien. Et puis il est pas le meilleur buteur de la Bundesliga pour rien. Et un derby très très chaud. On y voit des buts. Voilà, c'est la mi-temps. 2-2, c'est mérité des deux côtés. Et puis bon, les conditions ne sont pas exceptionnelles. Ça se ressent dans le jeu des deux équipes. Puis bon, Mönchengladbach aime bien de jouer le contre. Donc dès que c'est possible, avec leur joueur rapide devant, ça fait très mal. Bel arrêt de Cobol. Ouais, là. Mbolo part seul dans le dos de la défense. Il n'a plus qu'à ajuster Gobel pour donner l'avantage à son équipe. Voilà. C'est vrai que les coups francs, c'est pas exceptionnel. Hein. Je sais que j'en ai déjà mis un avec ma team, je crois. Mais à part ça, avec les autres équipes, j'en ai pas encore mis un. Ah là, c'est Alan qui prend contre-pied le gardien de Mönchengladbach. Allez, c'est 2-2 à la mi-temps. C'est mérité pour les deux équipes. Voilà, comme vous voyez, c'est presque égalité. Allez, on continue. Nous attendons la deuxième mi-temps. Voilà. Allez les gars, faites un appel là. Ben oui, il n'y a personne qui fait l'appel. C'est pas évident, hein. Eh oui, je l'ai dit, hein. Il n'y a personne qui fait un appel devant, et alors derrière, il y a tout le monde qui regarde, hein. Oh là là. Non.
Et voilà le troisième. Très belle combinaison de jeu et nous égalisons. Allez, c'est pas fini hein, les gars, ils sont encore là. Hein. Et oui, c'est toujours des matchs spectaculaires entre Dortmund et le Mönchengladbach. Ah non, dommage. Allez les gars. Je vais voir aussi si je dois faire des changements. Non, pas pour l'instant. Ouf, la chance. C'était la limite le penalty, hein. Enfin, je suppose. Allez. Allez les gars, c'est pas fini, hein.
Ah non, j'étais trop loin. Allez. Allez, c'est pas possible ça. Eh si. Allez, un trop traîné, c'est pas possible. Ah ouais, mais ça, ici. Heureusement que Zulu est là. Oh là là. Allez, 3-3. On reste comme ça. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà. C'est un beau match nul. Un match nul. Un match fou. C'est mérité pour les deux équipes. Il va pas au ballon, c'est rien à faire à ça. Enfin, il s'arrête là. Eh oui, c'est un match complètement fou. Comme il y a en réalité avec ces deux clubs. Voilà. Voilà le petit résumé du match. Il me semblait bien que c'était Ben Haider. Voilà. 60-40. Nous allons voir. Oui, c'est quand même assez serré hein, entre les deux équipes. Donc en possession, nous avons un 60-40. Au niveau des tirs, nous avons un 67 à 64 en précision de tir. Donc vous voyez, c'est à peu près kiff-kiff. Au niveau passe, 87 à 83. Donc vous voyez, c'est assez serré entre les deux équipes. Et au niveau défense, 33 à 38. Voilà. Nous allons voir les performances des joueurs. Voilà. Haaland avec un 7,8. Puis tous les autres, comme vous voyez, ils ont tous
un minimum 6, qui est quand même pas mal. Et oui, Ben Yedder avec 2 buts est le meilleur joueur sur le terrain. Ils ont été plus dangereux en attaque que nous, hein. Ça c'est sûr. Voilà, je vais aller à l'interview d'après-match et répondre aux 3 questions. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Voilà, je crois que j'ai répondu convenablement aux questions. Ah là, ça sera le match aller des 8e de finale, la prochaine vidéo. Ce sera les 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec un déplacement à Milan et nous allons rencontrer l'Inter de Milan. Eh bien, tant mieux. Voilà. Donc, on va aller voir la revue de presse. Un doublé important lors du match. Ouais, Dortmund, la belle série continue. Freiné par un score nul contre Mönchengladbach. Ben oui. Ravi de jouer, ben oui. Alain était élu le joueur du mois de janvier. Et à la une, Alain est ravi de jouer, et ainsi de suite. Ben oui. Donc, nous allons les voir. Voilà. Le Bayern gagne 3-0. Donc ils reviennent à 4 points. Ben oui, avec notre nul. Ouais, ça sera un match, ça sera un championnat serré. Du moins entre les deux équipes de tête. Puisque en dessous, ben, il y a quand même un écart, quand même. Déjà de 11 points entre Leverkusen et le Bayern, donc c'est quand même énorme. Donc comme vous voyez, Mönchengladbach est quand même quatrième. Donc c'est pas rien non plus. Enfin. Voilà, c'est ici que l'épisode se termine. Donc le prochain épisode, c'est la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, qui sera pas facile. Croyez-moi. Donc voilà. Tout se passe bien pour le moment, à part notre nul ici et le match fou qu'on a eu contre notre équipe, contre le Borussia Mönchengladbach, qui est quand même un match et qui est un derby également. Je vous dis à bientôt. Passez une très bonne journée. Salut!